cette partie. Du côté de la Taveyron, ramassage effectué, on attend la troisième passe qui est faite. Et premier but validé, c'est quel numéro s'il vous plaît? Numéro 3. Salut père. Allez, remise en touche du côté de Saz. Frédéric au lancer. Une spéciale demandée, très bien effectuée. Ouais, pas de solution, on préfère élargir le jeu, rentrer à la maison tranquillement. Allez, Fred, toujours pas de solution. Toujours pas de solution du côté de Saz. On élargit le jeu. Fred qui mène son équipe tranquillement. Allô, cherche un soutien. Très bonne remontée de la défense. Mais intervention de l'arbitre car le sens des ramassages n'a pas été respecté. Ce sera une pénalité numéro 3 en faveur de l'équipe de Saz. Au moins il ne change pas. Allez, trois passes effectuées, on va pouvoir aller provoquer cette défense qui est très présente et qui récupère le ballon. Contre-attaque. Ça continue à jouer, il n'y avait que deux passes malheureusement. Alors que Saz récupère cette balle, préfère calmer le jeu. Allez, Fred qui relance l'attaque, qui va trouver Xavier sur sa droite. Mais non, interception de la balle. Très bonne défense du côté de l'Otaveyron. Allez, on calme le jeu. Oh, Lucas, putain, pourquoi il est pas fait ? Très longue passe, ça circule du côté de l'Otaveyron. Un tir malheureusement sans touche le fer, de suite récupéré par l'équipe de Saz. Et la balle, ouais. La balle est à terre, de suite remontée du côté de Saz. La défense est vite revenue. Toujours pas de solution pour l'équipe de Saz. J'essaye un peu toutes les possibilités et intervention de l'arbitre. Ça sera une pénalité numéro 2 en faveur de l'équipe de Saz. Allez, on élargit le jeu du côté de Saz. Ça circule, Fred, Fred. C'est à côté. Cette fois-ci, on est rentré carrément à la maison pour espacer un petit peu le jeu. Ouh, très bonne défense du côté de la Taveyron. Allez,
une pression montée du côté des Noirs. Chercher le soutien. Allez, la vitesse en passe. Un tir en route, le numéro 4 de votre adhérent est tellement demandé par l'arbitre. Le numéro lancé, de suite récupéré par l'équipe de Saz. Et la balle lui échappe des mains, malheureusement, est à terre. Intervention de l'arbitre, ça sera une pénalité numéro 3 pour le Taveyron. Le joueur n'a pas respecté la priorité au ramassage. Tranquillement, on trouve, on va provoquer la défense avant de mettre du rythme. Ça circule bien du côté de la caméra et ça perturbe la défense du coup. Un but en plus. Allez, remise en jeu du côté de Saz. C'est récupéré du côté de Taveyron. Petite faiblesse du côté de Saz par rapport à leur touche qui n'ont pas la balle pour le moment. Alors on remet bien ça. Du côté de Taveyron, on met un petit peu de rythme. Des longues passes qui arrivent dans les mains, ça circule bien. C'est dommage, la défense était bien présente. Allez,
côté de Sav. C'est boxé dans leur camp. Le score est de 4-1, toujours en faveur de l'Opaveron. Allez Xavier qui va trouver Fred. Et c'est remis au centre. Et Gaëtan qui... Non, c'est pas ça. Sébastien qui offre un nouveau but à Saz. Du côté de l'Opaveron qui récupère tranquillement son ballon. Très belle étape. Intervention de l'arbitre. Tendant, arbitre demandé, pardon. C'est parti, Sébastien qui tire de loin et intervention de l'arbitre pour une pénalité numéro 1. Allez, la deuxième buvette du côté de la tente verte est ouverte, n'hésitez pas à aller vous restaurer, c'est un nouveau but. Temps mort demandé. Alors nous en jouons du côté de la taverne, on s'ajoute vite. Ça touche le fer, et oui, un tir à deux mains est beaucoup plus précis. Fin du temps réglementaire, monsieur l'arbitre. Allez, c'est parti, on a arrêté la musique. Ballon remonté du côté de Saz, on attend la troisième passe. Chose effectuée. Allez, on fait circuler cette balle, Fred qui préfère la garder car le ballon vaut de l'or. Allez, on cherche des solutions tranquillement. Mais la défense est très présente du côté de l'Opaveron. Et malheureusement ça tombe dans les mauvaises mains. L'Opaveron qui va en profiter, on met de la vitesse. Lucas qui remet derrière. Et le cinquième but. Lucas, attention hein. Anthony qui offre un nouveau but à l'Opaveron qui creuse un peu l'écart. Allez, remise en jeu, c'est Saz qui récupère cette balle. Long passe au centre du terrain. Un tir malheureusement imprécis. Et l'Opaveron qui récupère cette balle. Allez, on va calmer le jeu du côté de l'Opaveron, on se parle. On choisit sa trajectoire, on fait circuler la balle. Oui, et Lucas tout seul devant. Encore, le dieu. Sixième but pour la formation de l'Opaveron. Allez, on les a du côté de Saz. Une spéciale demandée, c'est boxé du côté des Noirs. Il n'y a qu'à marcher. Je joue pas, ça se voit pas. Il est chaud ce cheval.
Allez, le Taveyron qui rentre tout doucement dans son camp. Allez, tir de loin, non, ça fournit la solo, ce qui permet à cette formation d'être en avance 7-3. Allez, pénalité numéro 3 en faveur de l'équipe de l'Otaveyron. Et petit job de la défense, c'est Sébastien, il me semble. Anthony, pardon, qui offre le 8e but à l'Otaveyron. Allez, Fred de lancer du côté de Saz. Ça part loin derrière, mais ça atterrit dans les mains. Pas grave, c'est bien, allez, allez. Allez, on relance l'attaque. On fait circuler ce balle. Et non, toujours pas de solution. Très bonne défense du côté de l'Otaveyron. Xavier qui va remettre à Fred, malheureusement la jument ne l'aide pas. Ça fournit et toujours pas de solution par rapport à la défense très présente. Allez, on écarte le jeu du côté de Saz. L'on passe devant, malheureusement ça atterrit par terre. De suite récupéré par son coéquipier. Toujours pas de solution pour Fred. Très bonne défense du côté de l'Otaveyron qui les oblige à ressortir. Il restera 3 minutes 30 secondes. Demandez à la carte. Et le score est toujours de 8-3 en faveur de l'Otaveyron. Toujours pas de solution pour Saz pour diminuer cet écart. Et l'Otaveyron a posé la main sur le ballon. Ça met de la vitesse, on va faire circuler ce ball. Et ça touche le fer. De suite récupéré du côté de Saz. Et interception du côté de l'Otaveyron qui demande à calmer le jeu par rapport à ses partenaires de jeu. Et Xavier Leroux qui récupère la balle pour Saz. Qui la jette par terre.
Intervention de l'arbitre. Papy, viens. Oui, papy, frappe plus fort. Bon réflexe, bon réflexe. Non. Allez, Jota Véron qui bénéficie d'une pénalité numéro 3 qui va essayer de mettre un nouveau but. Allez, ça permet d'aller jusqu'au but, le dixième. Vas-y. 9 à 3, pardon. Remise en jeu du côté de Saz. Long. Derrière. Il n'y a toujours pas de solution du côté de ça. On ne peut pas faire la maison. Et jolie défense du côté de l'Ottaveron. Intervention de l'arbitre, pénalité numéro 2. Arrêt du temps. Et il restera 1 minute. Ça va oui. 0 Ça va mortir. On n'avait pas ça. Et Fred qui décide de tirer, malheureusement c'est à côté. Et c'est de suite remonté par son coéquipier. Secondes de jeu. Allez Tony. Petit lob et c'est boxé. Et malheureusement, 28 ans réglementaires. Nous terminons avec 7 points.